Allez, ce matin, nous parlons industrie en République démocratique du Congo. Et notre invité, ce n'est autre que le patron de l'industrie en République démocratique du Congo. Il s'appelle Julien Paluku Kaongia. Il est ministre de l'industrie. Je vais l'inviter. Il va me rejoindre sur ce plateau. Je vais l'inviter à me rejoindre sur ce plateau. Mais n'oubliez pas, comme je dis toujours, le geste barrière, le Covid-19 est revenu en force ici en République démocratique du Congo. N'oublions pas le geste barrière, c'est très important, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Je vais justement ça, cet exemple, nous devons encore prêcher ça, parce que de plus en plus les gens oublient, pensent que tout est passé. Je vous demande de vous mettre. Merci. Vous allez bien? Très très bien. Ah, je disais tout à l'heure, vous êtes ministre de l'industrie ici en République démocratique du Congo. Vous aviez dirigé la province du Nord Kivu. Vous êtes patron d'un parti politique. Vous êtes également patron d'un groupe. Mais aujourd'hui, on va plus parler industrie en République démocratique du Congo. La première question, elle est très simple. Comment se porte l'industrie en RDC? D'abord, c'est quoi l'industrie? J'allais justement venir là, mais bon. Avant de vous dire comment elle se porte. D'accord. Alors, échangeons. Commençons par le commencement. Quand on dit ministre de l'industrie, vous vous occupez de quoi? En fait, quand on dit industrie, ça veut dire production des biens par la transformation des matières. Okay. Tout ce qui est transformé est le produit de l'industrie. Comme vous êtes habillé là, votre soulier là, vous le portez parce qu'il est le fruit de la transformation. On dit qu'il faut parler, faut soulever un peu le micro, d'accord. Okay. Votre cravate, votre chemise, votre montre, alors, ce processus-là est le fruit de l'industrie. Donc, quand on dit ministère de l'industrie, ça veut dire qu'il ramasse presque tous les secteurs. C'est pourquoi ce ministère est transversal. Hein. Il n'est pas spécifique à un domaine. Si vous avez du bois que vous produisez, si vous avez des aliments qui viennent du champ, si vous avez tout autre produit de n'importe lequel, aussi longtemps que celui-ci n'est pas transformé, eh bien, il n'est pas utile. Donc, c'est l'industrie qui donne la valeur ajoutée à toute matière lorsqu'elle est encore brute. Donc, c'est ça l'essence de l'industrie. Donc, la personne doit comprendre que ce ministère, c'est un grand ministère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans d'autres pays, le ministère de l'industrie, ça fait partie des ministères les plus prescients parce qu'il s'agisse du produit intérieur brut, qu'il s'agisse de la création des richesses, qu'il s'agisse de la création d'emplois. C'est ce ministère, en fait, qui crée des emplois, qui crée la richesse et qui augmente le produit intérieur brut d'un pays. D'accord, je vais poser ma question d'une autre manière maintenant. Je reviens sur ma question. Est-ce que existe-t-il l'industrie en République démocratique du Congo? L'industrie congolaise, effectivement, est malade d'elle-même. Lorsque vous voyez l'histoire, depuis 1960, nous avions près de 10 000 entreprises industrielles en 1960, avec les Belges, bien entendu. Aujourd'hui, lorsque nous avons fait presque le recensement des industries congolaises, nous n'avons plus que 500, 500 entreprises industrielles. Donc vous voyez un peu la déclinaison de 10 000 à 500 entreprises. Vous voyez la maladie, comment elle se porte. Elle est très grave. On dirait même que ça s'est cancérisé presque. Parce qu'avec 500 entreprises industrielles, pour une moyenne de 100 emplois par entreprise, ça vous fait autour de peut-être 5 000 emplois sur l'ensemble du territoire national. Quand vous dites 10 000 à 500 industries congolaises, ces industries congolaises sont des industries tenues par des Congolais ou bien sont des industries qui existent en RDC tenues par des expatriés? Le comble, effectivement, pour l'industrie congolaise, c'est que la plupart des unités de production sont tenues par des étrangers. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère, nous voulons la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Donc, c'est l'essence même de ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés au ministère. Quand nous avons notre fonds de promotion de l'industrie qui doit stimuler l'industrie locale, nous avons trouvé que les taux d'intérêt étaient très élevés et nous l'avons rabattu parce qu'il était autour de 10-12% le mois. Nous l'avons rabattu à 5-6% pour toute entreprise. Et spécifiquement pour les jeunes et pour les femmes, nous avons rabattu les taux d'intérêt à 4%. Okay. C'était pour permettre effectivement que les jeunes accèdent au fonds de promotion de l'industrie. Et même pendant la période de Covid, nous avons rabattu ces taux à 0%. C'est-à-dire, vous accédez au fonds du fonds de promotion de l'industrie, vous les prenez et vous les remboursez à 0%. C'est-à-dire, vous avez pris 100 000 $, 150 000 $,
$200,000, vous les remboursez tels que vous les avez pris. Ça n'a jamais existé nulle part, dans aucune banque, nulle part au monde. Monsieur le ministre, on va se regarder dans les yeux, on va se dire des vérités. Jamais dans cette émission, parce qu'on s'est dit des vérités. On va se dire des vérités par rapport à l'industrie. Ce n'est pas tout le jour qu'on a le ministre de l'Industrie, le ministre national de l'Industrie, sur un plateau de télévision qui va vous parler. Alors, dites-moi en toute vérité, monsieur le ministre, vous parlez du fonds de la promotion de l'industrie, le FPI, qui est pratiquement une banque qui devait promouvoir l'entrepreneuriat congolais, la main-d'œuvre congolaise. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront que ce sont plus des expatriés qui en profitent que de Congolais. Et c'est ça la vérité, parce que les fonds ne financent que ce qui existe. C'est pourquoi vous avez suivi en décembre 2019, nous avons initié ce que j'ai appelé la masterclass des innovateurs, des inventeurs congolais, pour créer des incubateurs, c'est-à-dire prendre ces jeunes gens qui ont des inventions dans leur tête, qui ont des innovations, mais qui sont oubliés, qui sont retranchés dans leur village. On les a rassemblés et nous avons sélectionné autour de 100, je les ai d'ailleurs reçus dernièrement à mon cabinet, pour les stimuler, pour leur donner de l'espoir. Que lorsque nous avions organisé la masterclass, c'était en fait de pouvoir rassembler les intelligences partout où elles sont cachées, de manière à les financer pour qu'on cesse d'avoir une industrie qui n'est tenue essentiellement que par les étrangers. Pour que les jeunes congolais, les femmes congolaises, les entrepreneurs congolais puissent également bénéficier de ces fonds-là, comme vous l'avez dit. Malheureusement, l'État, c'est également un pays, c'est également la continuité de l'État. Vous n'êtes pas le premier ministre de l'Industrie qui est aujourd'hui. Avant vous, il y a eu des ministres de l'Industrie qui sont passés, qui ont eu le même discours que ce que vous dites aujourd'hui. Je me rappelle, vous parlez d'incubateur, je me rappelle, Bienvenue Liotta qui a été ministre de PME à l'époque, parler également de ça. Germain Cambia, qui était ministre de l'Industrie, a parlé de ça. Si je veux aller plus loin, c'est-à-dire que c'est comme si ce sont des discours, mais en réalité, le Congolais n'en profite pas. Non, moi je ne pense pas que les Congolais n'en profitent pas. Aujourd'hui, il suffit d'aller, de vous promener à travers la ville de Kinshasa, à travers la République, pour voir comment nous avons orienté les fonds de promotion de l'industrie depuis un certain temps. Combien d'entreprises congolaises en ont profité? Combien de Congolais en ont profité? Ce sont des millions, c'est un million de dollars. Depuis que je suis ministre de l'Industrie, on a financé autour de 50 millions de dollars les entreprises congolaises. Donc c'est pas que je parle des montants comme ça à la volée. C'est 50 millions de dollars qu'on a injectés dans l'économie congolaise depuis que je suis ministre de l'Industrie. D'autres, les professeurs l'ont fait aussi. Injecter dans l'économie, c'est une chose, mais profiter, que les entreprises en profitent, les industries congolaises en profitent. Aujourd'hui, quand vous circulez, que vous posez la question, quelles sont les vraies industries congolaises qui ont été financées par le FPI, par le gouvernement congolais, c'est comme si... Vous savez, le mal est tellement profond que lorsqu'on finance une économie comme celle de la RDC avec 50 millions de dollars, ce n'est pas perceptible. Parce que le mal est tellement profond, la crise est tellement profonde, la précarité de notre économie est indescriptible. Même si vous y injectez 100 millions, 200 millions, c'est presque invisible. Parce que pour que l'on sente réellement qu'il y a quelque chose qui est injecté dans l'économie congolaise, il faut des milliards. Il faut 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Mais lorsqu'on dit qu'on a seulement injecté 50 millions, évidemment, personne ne peut voir. Mais lorsque nous mesurons les indicateurs objectivement vérifiables par rapport à ce qu'a été l'industrie il y a une année, deux ans, trois ans, on sent que quelque chose est en train de changer. Vous savez, les pays se construisent sur base d'une planification. Ne pouvez pas me demander, moi, de changer la RDC en une année. Je suis ministre de l'Industrie depuis le mois de septembre 2019. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord mis en place ou consolidé les outils de planification. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par faire adopter au gouvernement la politique industrielle de ces pays. Vous savez que nous, depuis 1960, les pays n'étaient pas dotés de sa politique industrielle. C'est-à-dire, quelle est la vision que le pays a par rapport au secteur industriel? J'ai fait adopter ça au Conseil des ministres, eh bien, pour que ça soit une appropriation collective. Et donc, aujourd'hui, on peut être fier que la RDC a désormais sa politique et ses stratégies industrielles. Donc c'est sur base de cette planification qu'on peut maintenant dire quels sont les axes principaux sur lesquels on doit appuyer pour déclencher les phénomènes de développement. Et vous avez suivi le président de la République dans son discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019. Il a subdivisé les pays en 6 zones industrielles. C'est-à-dire l'espace Kinshasa, l'espace Équateur, l'espace Kasaï, l'espace ex-province orientale, l'espace Kivu, l'espace Katanga. Ça, ce sont des espaces industriels qui ont été subdivisés par les chefs de l'État. Et nous, comme ministère de l'Industrie, nous devons maintenant promouvoir à l'intérieur de ces espaces ce que nous avons appelé les zones économiques spéciales. Donc ça veut dire des espaces à l'intérieur desquels nous allons faire converger les unités de production pour transformer les matières premières congolaises au lieu d'en importer chaque fois de l'extérieur. Vous savez, aujourd'hui, nous avons près
nous importons pour près d'1,5 milliard de dollars chaque mois, les produits alimentaires. Alors, le ministère de l'Industrie voudrait briser cela pour dire, mais ce n'est pas possible. Pourquoi on sort chaque fois 1,5 milliard vers la Chine, vers le Japon, vers l'Europe, alors qu'on peut les consommer localement, stimuler la production, créer des emplois localement et permettre que, finalement, nous ayons un budget de 20, de 30, de 40 milliards. Attends, mais entre-temps, je reste sur ma soif. Le Made in Congo, ça a été fait avec beaucoup de pompes par l'un de vos prédécesseurs. Et puis après, ceux qui sont venus après lui ont carrément oublié ça. Et puis aujourd'hui, c'est même si vous m'expliquez qu'il faudrait l'ISO et tout, mais aujourd'hui, le Made in Congo, ça n'existe pas. Le Made in Congo existe. Mais il ne peut exister que si nous avons commencé la production intérieure. Il y a eu beaucoup d'argent que l'État a dépensé pour promouvoir ces quelques Congolais qu'on a sélectionnés dans le Made in Congo. Mais aujourd'hui, le Made in Congo, c'est un slogan qui signifie à chaque fois que vous produisez au Congo, il faut que votre produit soit estampillé congolais. Ça veut dire il arrive en Europe. Vous savez, les cafés, par exemple. Il y a des cafés qui sont produits à l'est du pays. Mm-hmm. Mais lorsqu'il arrive à l'extérieur, c'est comme si ce café était produit au Rwanda ou en Ouganda. Parce que simplement, il n'y a pas une politique d'estampillage de notre café pour l'identifier, pour le certifier qu'il est un produit congolais. Alors au niveau du ministère, effectivement, le Made in Congo, c'est la consolidation de ces outils-là pour permettre qu'à chaque fois que la RDC sort ce produit de l'extérieur, que ce produit soit reconnu comme étant des produits congolais. Mais donc c'est ça l'essence de Made in Congo. Oui, mais depuis tous ces temps, ceux qui sont passés avant vous, non, ne savent pas, c'est vous qui découvrez ça depuis ce temps. Non, c'est pas moi qui les découvre. Je sais que mon prédécesseur Germain Kambinga, c'est lui qui a commencé les Made in Congo. D'autres aussi l'ont fait. Peut-être la communication ne passe pas tellement. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous remercier pour avoir permis que je parle à la population congolaise de la politique au niveau du ministère de l'Industrie, pour que les gens comprennent qu'il y a des choses qui se font. Mais peut-être à chaque fois, les gens ont besoin qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle. Mais moi, j'estime qu'en parler souvent, sans qu'on montre à la population ce qui se fait exactement, ça sera presque un leurre. Voilà pourquoi, effectivement, au niveau de notre ministère, nous avons pensé qu'au lieu de parler suffisamment de ces choses-là, il faut beaucoup plus aller vers l'opérationnel. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place les zones économiques spéciales. Oui, aller vers l'opérationnel avec les zones économiques spéciales. Je n'ai pas encore envie d'entamer ces sujets, mais je voudrais quand même rester sur le fonds pour la promotion de l'industrie FPI qui dépend de votre ministère. Aujourd'hui, quand vous demandez, c'est là qu'ils ont des projets, c'est là qu'ils ont des idées, ils vous disent qu'on n'a pas des sponsors, qu'on n'a pas des parapluies pour accéder au crédit FPI. Oui, on n'a pas d'accès aux produits FPI parce qu'on n'est pas informé. Vous savez, par l'État... La plupart, ceux qui ont pu avoir des crédits et autres au niveau du FPI, c'est parce qu'ils ont été politiciens ou bien autres avec connaissance et parapluie sponsor. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, hein, de savoir qui ont bénéficié hier des fonds de promotion de l'industrie, parce que nous avons une ardoise de 150 millions de dollars qu'on est en train de recouvrer, tous les créanciers du FPI. On en a déjà, vous avez suivi, il y a des immeubles qui ont été récupérés, qu'on est en train de vendre pour réinjecter cet argent dans l'économie congolaise. D'ailleurs, notre politique, lorsque nous avions conçu ces modèles-là, c'était qu'en récupérant les 150 millions de dollars qui sont détenus par les débiteurs, nous puissions cibler les 145 territoires. C'est-à-dire, la RDC est subdivisée en 145 territoires. Si on récupère les 150 millions de dollars, eh bien, on injecte dans chaque territoire au moins 1 million de dollars. Ça fait 145 millions. Imaginez-vous dans votre territoire, dans les miens, dans celui de ceux qui nous suivent en ce moment, si on peut mettre ne fût-ce qu'un million de dollars pour stimuler la production locale, je crois que ça peut bouger sur l'ensemble de la République. Donc c'est une politique que nous avons mise en place. Maintenant, l'accès au crédit pose un problème parce qu'il faut des conditions. Ce n'est pas qu'on va prendre l'argent au FPI, bon, on le distribue à qui le veut. Non, il faut quand même qu'il y ait des garanties, des remboursements de cet argent-là. Parce que ce ne sont pas des subventions qu'on accorde, mm-hmm. Ce sont des prêts. Mm-hmm. Bien sûr, il y a deux ou trois politiques que nous avons mises en place. Mm-hmm. La première, ce sont des prêts qu'on accorde aux entreprises. La deuxième, ce sont des subventions, mm-hmm. C'est-à-dire des prêts non remboursables. Si quelqu'un offre un projet qui donne des perspectives meilleures, on lui accorde des subventions. Mais justement, ceux qui en profitent avec ces subventions, ce sont ces personnes qui ont des parapluies, qui connaissent le ministre, qui connaissent le DG du FPI. Non, depuis que je suis là, je n'ai jamais recommandé ou donné instruction au fonds de promotion de l'industrie pour financer un frère et un ami. Pas vous, mais c'est qui ont le pouvoir. Non, non. Non, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, beaucoup de Congolais. Nous avons catégoriquement interdit ces pratiques-là. Et même nous avons dit, parce que nous avons ouvert les sites du ministère, s'il y a des gens qui sont
pour qui on demande des fonds, des corruptions, parce qu'on veut accéder à tel montant, à tel autre. Le site est là, et les adresses mail sont là, et les téléphones sont là, pour nous alerter sur toute manœuvre qui tendrait effectivement à nous reverser dans des comportements qui ont été décriés par le passé. Nous voulons la transparence au niveau du fonds de promotion de l'industrie pour que les fonds-là bénéficient réellement à l'industrie congolaise, stimule la production congolaise, au lieu de servir les politiques, comme vous avez dit, au lieu de servir les frères et sœurs qui sont des ministres, etc. Donc nous voulons effectivement que ces fonds servent à stimuler la production pour nous permettre de créer des richesses, de créer de l'emploi. Parce que si vous lisez notre politique industrielle, nous voulons qu'à l'horizon 2030, le secteur industriel en lui-même puisse au moins engranger 1 million d'emplois. On regarde le pays qui nous entoure. Comment ils se développent, comment ils encadrent leurs jeunes, parlons de ces informaticiens, ceux qui ont des projets, qui développent des applications aujourd'hui, comment on les encadre, comment on prend soin d'eux, pourquoi nous on n'arrive pas à faire ça? Mais le pays a je deviens avocat de cette jeunesse. Le pays a une histoire. Il ne faut pas me demander de revenir sur l'histoire du pays. Le pays a une histoire de guerre, une histoire de rébellion, une histoire de tâtonnement. J'ai été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Je suis mieux placé pour vous dire comment le pays a été troublé. Nous avons connu les Zignélé ici, nous avons connu les Bududia Congo ici à l'ouest, nous avons connu les Kamwanasapu au centre, on a connu les Laurent Kunda à l'est, les M23, on a maintenant les EDF vers Beni, on a les Mbororo dans l'ex-province orientale. Le pays a quand même traversé des moments de crise qui n'ont pas permis de mettre en place des politiques publiques qui sont de nature à répondre aux préoccupations des populations. Oui, mais il n'y a pas que nous qui avons connu des moments de crise. Je vais vous parler, l'Angola également a connu des moments de forte crise que nous. Le Rwanda également a connu, mais aujourd'hui, ils sont très loin. Mais je viens de l'Égypte. Lorsque vous sillonnez la capitale, Caire, vous vous rendez compte que c'est maintenant qu'ils sont en train aussi de pouvoir améliorer un certain nombre d'outils dans leur capitale. Ils sont même en train de construire une nouvelle capitale, Caire. Donc ça veut dire, on n'est pas encore en retard. Ce qu'il nous faut, c'est de commencer. Mais si nous... On ne commence pas aussi. Parce qu'en fait, en matière de développement, lorsqu'on définit les politiques de développement, on ne les définit pas par rapport à d'autres pour dire qu'on est déjà en retard. Il faut commencer. Et je l'ai dit souvent, je suis partisan de Yankelevitch qui disait, pour commencer, il faut commencer et on n'apprend pas à commencer pour commencer. Il faut commencer. Donc nous devons aussi commencer. Si c'est maintenant qu'il faut le faire, il faut le faire. Pas commencer à dire, tel pays nous a déjà dépassé, nous ne saurons pas les rattraper. Commençons avec les politiques publiques que nous mettons en place et évoluons. Nous allons mesurer les indicateurs objectivement vérifiables à chaque étape, chaque année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un pays, en fait, ne peut pas se développer sans un plan, soit triennal, soit quinquennal, soit décennal. Alors, il y a eu beaucoup de plans qui ont été élaborés, mais bien sûr, des plans qui ont été déstabilisés par l'environnement, aussi bien sécuritaire que politique que nous avons connu. Mais maintenant que nous avons un gouvernement qui a mis dans son pilier 7 du programme, qui a été défendu devant l'Assemblée nationale, la diversification de l'économie, nous devons cesser de croire aux mines. Vous savez, nous avons été distraits par les colonisateurs, qui nous a fait croire qu'il n'y a que les Katanga qui peuvent faire vivre la République. Et tous, si vous voyez aujourd'hui, le budget de l'État n'est alimenté que par le secteur minier. Alors qu'on peut s'en passer et nous pencher vers l'agriculture, transformer nos matières et effectivement avoir un budget de 20, de 30, de 40 milliards. Alors, ce sont ces genres de politiques qu'on est en train de mettre en place petit à petit, petit à petit, petit à petit. Nous ne sommes pas les premiers. Eh bien, après notre passage au ministère, d'autres viendront pour devoir continuer ce que nous avons commencé. Monsieur le ministre, j'aime bien. Depuis votre arrivée à ce ministère, j'essaie de vous suivre. Je sens que vous êtes un monsieur qui maîtrise son secteur. Vous maîtrisez votre secteur. Je me rappelle, lors de votre passage à Londres, vous nous disiez, vous avez dit que très bientôt, on aura un ordinateur made in Congo. Où nous en sommes, c'est déjà... Voilà encore un projet qui souffre par l'environnement que nous avons traversé. Parce que j'étais à Londres au mois de janvier et effectivement, au mois de mars, le corona est arrivé. C'était des Américains, ça s'appelle Industry 5. On a signé même le mémorandum d'attente avec eux à Londres, c'était lors du voyage du président de la République. Et ils devaient venir au mois de mars pour qu'on mette en place cette unité de production avec au moins 1000 emplois qui devaient être créés à Kinshasa. Malheureusement, le coronavirus est arrivé et vous savez qu'il n'y a aucun investisseur à travers le monde qui s'est engagé depuis que le corona est là.
Donc ce sont ces genres d'éléments qui perturbent souvent les planifications, parce que c'était inattendu. Il n'y a personne qui avait prévu que le corona allait paralyser toute l'économie. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons annoncé une chose, mais qui n'est pas arrivée à être matérialisée. Les gens peuvent croire que mais c'était presque un bluff que vous avez sorti de la bouche lorsque vous étiez à Londres. Mais j'y croyais fermement. Mais malheureusement, il y a un événement fortuit qui est arrivé et qui nous a empêché de matérialiser ce que nous avons, ce que nous nous sommes dit. Justement, parce que vous évoquez le coronavirus, c'est comme si le coronavirus est arrivé, les autres ont réfléchi, ont mis en place des projets, des plans pour que l'après-corona, que notre industrie ne soit pas affectée. Déjà, cette industrie qui n'existe même pas, ne soit pas affectée. Mais c'est comme si nous, l'avant, l'après, on est resté ce que nous étions. Non, moi, je ne pense pas que nous... Même si corona nous a pris presque 5-6 mois, je ne pense pas que nous dormons sur nos lauriers. Non, je vous ai dit que nous avons fait adopter la politique industrielle, nous avons fait adopter un décret au gouvernement qui porte sur les avantages accordés aux zones économiques spéciales. Nous venons de faire adopter la norme sur la panification de la farine de manioc. Vous savez, au Nigeria et au Ghana, eh bien, on a introduit la farine de manioc dans la fabrication du pain. Mmh. Et au niveau du ministère de l'Industrie, effectivement, nous voulons industrialiser la filière manioc. Et l'objectif, c'est de capter 100 000 tonnes de manioc. Ça fait 100 millions de kilos de manioc à travers la République. Imaginez-vous, si nous introduisons les manioc dans la fabrication du pain, voyez-vous le nombre de pains qui sont consommés chaque jour et la quantité de farine de manioc qui sera utilisée, ça sera stimuler la production au niveau des producteurs locaux et ce sera donc créer des emplois, ce sera créer la richesse congolaise. Donc ça, c'est une politique qu'on est en train de mettre en place et je pense que d'ici 2021, nous allons déjà commencer, nous allons réunir les secteurs, ce secteur de panification pour que on puisse vulgariser la norme parce que nous allons introduire 5% pour la boulangerie et 10% pour la pâtisserie. Donc vous avez une farine, votre farine de froment, eh bien, vous prenez 90% de la farine de froment et 10% de la farine de manioc. Imaginez-vous ce que ça va créer comme un boom dans la production du manioc à travers la République. Des manioc qui pourrissaient un peu partout. Ça, c'est le ministère de l'Industrie. Donc, nous voulons passer, nous voulons en fait révolutionner le sol congolais. Et la revanche du sol sur le sous-sol, comme disait le président de la République. Exactement. Nous ne voulons pas qu'on continue à penser mine, cobalt, chaque jour. Les manioc va être introduit dans la fabrication du pain en République démocratique du Congo, et je crois que ça sera la grande première dans ces pays. Parce que vous parlez du manioc qui fera de nous cette première en RDC, mais les autres, moi j'aime toujours regarder nos voisins, les autres avec la crise du coronavirus, ils se sont plus focalisés dans le secteur de l'agriculture, tout à l'heure vous le disiez, mais pourquoi aujourd'hui au niveau du ministère de l'Industrie, vous ne distribuez pas des intrants à ces gens qui ont de terre pour cultiver? Vous savez, nous fonctionnons sur base d'une ordonnance qui nous attribue des compétences. Il ne faut pas me demander... Vous êtes un ministère transversal, ouais, c'est-à-dire que vous intervenez... Il ne faut pas me demander de commencer à faire ce que les collègues peuvent faire, sinon ça sera une violation de nos textes. Vous êtes un ministère transversal, vous avez le moyen avec le fonds pour la promotion. Comme on est ministère transversal, effectivement, nous essayons un peu de stimuler les projets dans tous les secteurs. Lorsque les projets arrivent au FPI, ils ne dépendent pas seulement que du secteur industriel. Il y a des projets structurants et industrialisants. Même les routes, les fonds de promotion de l'industrie peuvent financer même les routes. Mmh. Si une route peut nous amener vers un secteur de production quelque part, eh bien, on la finance. S'il y a une transformation ou une plantation, je ne sais pas, de thé, du cacao, du café, qui a besoin de financement pour avoir les outils de transformation de ces cafés, de ces cacao, pour produire le chocolat, eh bien, on le fait. Et dernièrement, j'étais à Goma. J'ai vu déjà un citoyen congolais qui est en train de produire le chocolat. Hein? Le chocolat made in Congo. Vous avez dit qu'il n'y a pas un made in Congo. Chocolat made in Congo. Donc on ne peut plus importer le chocolat à partir de l'Europe. On peut maintenant le fabriquer au Congo. Je viens d'ici d'Ubangi, où j'ai visité la plantation Miluna avec du cacao. Cette plantation, ce promoteur a besoin de quelques fonds pour installer exactement une usine de transformation du cacao sur place. J'ai vu les VEA là-bas. Les VEA pour fabriquer les pneus, les latex, hein, qui est exporté vers l'Europe. Et c'est eux qui sont les fournisseurs de la grande multinationale qu'on appelle Michelin, qui nous fabrique des pneus. Des pneus, ouais. Oui. Mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi nous devons exporter les latex de l'EVEA du sud d'Ubangi vers l'Europe au lieu de créer une usine de transformation et de fabrication de pneus en République démocratique du Congo? Voilà donc le sens
que nous donnons au fonds de promotion de l'industrie pour l'orienter vers les secteurs de production et permettre effectivement que nous cessions d'exporter les matières brutes, mais que nous commencions nous aussi à exporter les produits finis et nous ramener des devises en RDC. Monsieur le ministre, le problème demeure. Quand vous parlez de ces compatriotes à l'Est qui produisent du chocolat made in Congo, quand vous parlez de pneus et tout, sur cette chaise, il y a eu la semaine passée une jeune demoiselle qui était là. Elle produit du café quinoa, qui s'appelle les quinoa sont café. Elle plante ici dans le Congo central. Et c'est du café. Mais elle a un problème. Elle nous a dit ici, le plus grand problème, c'est l'accès au crédit, l'accès au financement. C'est ça. Ce qui tue justement cette industrie, ces gens qui ont ces idées. Moi, je pense que le ministère de l'Industrie a ses portes largement ouvertes pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je suis ici dans cette émission, pour que ceux qui ont des problèmes puissent comprendre que les portes du ministère de l'Industrie sont ouvertes. S'il y a des gens qui ont des problèmes, eh bien, nous sommes là pour les recevoir, pour les écouter, pour les orienter. Bien évidemment, nous ne faisons pas une politique d'influence envers les fonds de promotion de l'industrie. Parce qu'il y a des critères qui ont été définis par les fonds de promotion de l'industrie pour accéder au crédit. Mais tout ce que nous faisons, c'est de mettre en place une planification qui permette à ce que les gens puissent bénéficier réellement de ces fonds-là. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, nous avons saisi le directeur général du FEI pour lui dire il ne faut pas que les fonds de promotion de l'industrie servent seulement aux quinoa. Parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, ce sont les 26 provinces. Il faut que les 26 provinces sentent qu'il y a un fonds de promotion de l'industrie. Et c'est la raison pour laquelle, dans la deuxième édition de la masterclass, nous n'allons plus l'organiser comme nous l'avions fait avant. C'est-à-dire, nous allons y aller par deux étapes. La première étape, on va faire une présélection dans chaque province pour identifier les innovateurs, les inventeurs congolais dans chaque province. La deuxième étape, nous allons prendre ceux qui sont sélectionnés dans les provinces pour maintenant organiser la deuxième édition de la masterclass et identifier dans chaque province quels sont les jeunes, quelles sont les femmes qui ont des idées novatrices que nous pouvons financer pour leur permettre de participer efficacement au développement de ces pays. Alors parlons de la zone économique spéciale de Maluku. Cette zone, c'est quoi d'abord? Oui, en français facile, une zone économique, c'est un espace industriel à l'intérieur duquel le gouvernement offre aux entreprises des avantages. C'est-à-dire, vous avez comme Maluku un espace qui est bien, auquel on attribue le statut de zone économique spéciale, avec mission d'accueillir les entreprises qui produisent sans taxes. Okay. C'est-à-dire, vous êtes à Maluku, vous allez commencer à transformer la farine, vous transformez le fer à béton, vous transformez les ceci, tout ce que vous allez installer comme usine, les lampes, les habits, les ceci. Quand vous allez exporter vers l'extérieur, vous n'allez payer aucun frais au niveau de la douane. Mais si vous voulez vendre sur le marché local pour ne pas concurrencer effectivement la production intérieure qui est en dehors de la zone économique spéciale, là vous êtes soumis au régime général du secteur financier. Donc la zone économique spéciale, comme en Chine, je vous donne l'exemple, les gens disent mais pourquoi les produits chinois sont moins chers? Et voilà. Les produits chinois sont moins chers, pas parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, mais parce qu'ils proviennent des zones économiques spéciales. Okay. Où, effectivement, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de douanes, et ils sont exportés vers chez nous ici, et nous avons l'impression que ces produits coûtent moins cher, parce que la politique de la Chine de stimuler les investisseurs à venir produire localement. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'effectivement, ça va créer de l'emploi. Tous ces jeunes gens, par exemple, à Maluku, la prévision que nous avons, c'est 3500 emplois. Imaginez-vous qu'il y ait 3500 emplois, mais la ville de Kinshasa va se déplacer de ses centres-villes vers Maluku. Parce que si vous voyez la cartographie de Kinshasa, Kinshasa n'est habité que par, il n'y a que peut-être 30% de la ville de Kinshasa qui est occupée par la population congolaise. Mais lorsqu'on va amener la zone économique vers Maluku, il y aura une migration de la population vers cet espace. On va désengorger la capitale, parce que si 3500 personnes vont travailler dans la zone économique, ils ne vont plus se réveiller à Kinshasa. Ils vont chercher des maisons là-bas. C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui ont un esprit de planification doivent commencer à chercher des parcelles à Maluku, parce que c'est là que sera la nouvelle capitale de la RDC. Le nouveau Kinshasa sera à Maluku et va cesser d'être à Gombe. Alors, dans cette zone économique spéciale, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on va trouver? Des entreprises? Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'on y trouvera là-dedans? D'abord, il faut qu'on précise qu'il y a deux types d'investisseurs pour une zone économique spéciale.
Le premier investisseur s'appelle aménageur. Okay. C'est-à-dire c'est lui qui aménage la zone, c'est lui qui construit les infrastructures, c'est lui qui amène l'électricité, c'est lui qui amène l'eau. Et le décret que nous avons fait adopter au gouvernement donne à cet aménageur-là 10 ans d'exonération totale, renouvelable une fois. Ça fait 20 ans d'exonération. Donc vous avez construit la zone économique spéciale, vous l'avez apprêtée pour qu'elle accueille les entreprises, vous avez 20 ans d'exonération. Et à la 21e année, vous commencez maintenant à payer 50% des impôts et taxes. Donc pendant 20 ans, si vous avez importé des produits pour construire des machines, tout ça ne paye pas. Maintenant, quand vous avez fini par aménager la zone, parce que c'est le cas de la société Stratégos qui est l'aménageur, vous faites appel maintenant aux entreprises, selon les spécificités. Donc il n'y a pas des indications pour dire on a besoin de telle entreprise. Industrie textile, industrie automobile, industrie ceci. Tout cela vont s'installer dans la zone économique spéciale. Maintenant, ces entreprises-là qui vont s'y installer ont aussi 5 ans d'exonération, sans payer de taxes. Renouvelable une fois, ça vous fait 10 ans. L'avantage, c'est quoi? C'est que nous voulons devenir un pays exportateur. Lorsque nous amenons des investisseurs dans la zone économique spéciale, il n'y a pas que des étrangers. Même les Congolais vont aussi s'y installer avec leurs capitaux. Alors, nous voulons devenir un pays exportateur, c'est-à-dire, au lieu de commencer, nous, à être les dépotoirs, nous voulons aussi devenir exportateurs. Et qui dit exportateur, dit rentrer des devises. C'est-à-dire, si nous sommes en manque de devises, si notre monnaie chancelle à tout moment, c'est parce que nous ne sommes que des importateurs. Alors, qui dit importateur, dit sortie des devises. Alors, nous voulons inverser la tendance à travers les zones économiques spéciales pour ne plus faire sortir nos devises vers l'extérieur, mais cette fois-ci, ramener des devises de l'extérieur vers les pays et renforcer notre économie. C'est la politique des zones économiques spéciales. D'accord, je suis tenté, je suis sûr que vous allez me dire que c'est vrai, je suis tenté. Je me rappelle que le président de la République, en arrivant, il disait qu'il voulait créer des millionnaires congolais. Il voulait voir les Congolais s'épanouir. Aujourd'hui, avec la zone avec cette zone économique spéciale, restons d'abord sur l'aménageur. J'espère que ce sont des Congolais qui vont aménager ça. Oui, oui, c'est un Congolais, c'est la société Stratégos qui a été recrutée d'ailleurs, comme c'est la zone économique pilote. Je voulais juste me rassurer. Je voulais juste me rassurer. C'était Congolais qui a gagné les marchés par un processus qui était piloté par la Banque mondiale. Parce que c'est une zone pilote. Alors, le gouvernement a requis effectivement la Banque mondiale pour devoir accompagner de la mise en place de la zone. Et c'est un Congolais qui a gagné les marchés par l'expérience qu'il a. Il a des entreprises en Colombie et partout ailleurs. Il a aménagé des zones à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle il a été sélectionné. Je n'étais pas encore là. Moi, je ne fais que mettre en œuvre des politiques de ceux qui m'ont précédé. Alors, il n'y a pas que Maluku. Nous avons récemment envoyé une délégation au Katanga. Il y a Lualaba qui a déjà une concession de près de 1000 hectares. Il y a le Haut-Katanga qui a déjà une concession. Il y a le Nord Kivu, il y a une délégation qui vient de Butembo à Moussienene, pratiquement, où nous devons aussi installer une zone économique spéciale, parce que l'Ouganda et le Rwanda ont commencé à installer les zones franches à la frontière avec la RDC. Si nous, on ne fait pas de même, eh bien, ils vont déverser leurs produits sur les marchés congolais, parce que c'est le marché congolais qui est visé. Alors, nous devons anticiper par la mise en place de ces zones économiques spéciales dans toutes ces parties-là pour contrer effectivement ces exportations qui nous viendraient des pays voisins vers chez nous et inverser la tendance pour que nous aussi nous commencions à ramener nos produits vers chez nous parce que nous avons le potentiel. Donc voilà pourquoi nous allons disséminer dans les 6 espaces industriels les zones économiques spéciales qui ont déjà un décret qui accorde des avantages et facilités à toutes les entreprises qui vont s'y installer, entreprises congolaises comme étrangères. C'est comme si, je voudrais rester sur ces industries congolaises, le produit congolais. Quand vous allez, comme vous disiez tout à l'heure, que les gens confondent, croient que la RDC c'est Kinshasa, la RDC c'est pas seulement Kinshasa, c'est toute la République de Rwanda, c'est toute la province et tout. J'en ai pensé à Arou et Arioara, là-bas quand vous arrivez, tout vient de l'étranger, de l'Ouganda. Ouais. Et comment, quelle politique, vous savez, pour que le Congo soit consommé là-bas. C'est ce que je suis en train de vous développer tout à l'heure. Effectivement, ça ne se construit pas en un mois, en deux mois. Ce qu'on est en train de faire, c'est une politique que nous construisons et qui ne va pas se faire les mois prochains. On le fera sur 2, 3, 4, 5, 10 ans pour permettre à ce que ce que j'ai dit ici puisse se matérialiser effectivement. Mais l'essentiel, c'est de commencer maintenant. Et nous avons déjà commencé. Donc la zone économique spéciale de Maluku va être opérationnelle. Celle de Lualaba, celle du Haut-Katanga, celle du Nord Kivu. Bientôt, nous allons diligenter une mission au Kasaï,
pour y installer également une zone économique. Je viens de l'espace Équateur également, où on a identifié l'espace où on doit mettre la zone économique dans le sud du Bangui, qui avec une route qui déborde sur la Mongala. J'ai peur que ça reste des projets dans des tiroirs, des projets sur papier. Hein. J'ai peur que ça reste du projet. Oui, mais tout commence par là. Quand vous voyez l'Europe qui s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle le plan Marshall. Si l'Europe nous domine aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle était forte en 1945 ou en 1948. C'est parce qu'elle a mis en place le plan Marshall qui permet à ce qu'aujourd'hui l'Europe soit ce qu'elle est. Si la Chine est ce qu'elle est, il faut voir son histoire. En 1970, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si le Nigeria est ce qu'il est, il ne l'était pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, ce que nous faisons, c'est de construire des politiques publiques. C'est de mettre en place des outils de planification. C'est ces outils-là qui vont nous servir de boussole demain et après-demain, avec ou sans Julien. S'il y a des outils, des boussoles que nous avons déjà placées, ceux qui viendront pourront suivre cette boussole pour aider les pays à se développer. Donc, moi, je suis heureux, lors de mon passage à ce ministère, de mettre en place les fondamentaux ou de les consolider pour ceux qui existaient déjà, pour permettre à ce que ceux qui viendront trouvent au moins des outils de planification qui vont être des éléments sur lesquels ils vont s'appuyer pour accompagner la relance de ces pays. Moi, c'est ça l'honneur que j'ai lors de mon passage à la tête de ces ministères. Oui, mais vous mettez des fondamentaux, comme vous citez, la Chine, la Russie, tout le monde. Mais au moins, ils ont encouragé les investisseurs, ils ont encouragé ceux qui avaient des industries. Par exemple, en exonérant le taxe. Donc, aujourd'hui, il est difficile de ramener des produits, de créer des entreprises ici au Congo. Vous savez, au gouvernement, il y a un projet de la réforme du système fiscal. Quand j'étais gouverneur, j'avais participé ici à un atelier sur la réforme du système fiscal. Si beaucoup d'investisseurs fuient notre pays, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de tracasseries. Nos taxes sont tellement nombreuses qu'elles se chiffrent même à près de 200, 300 taxes. Et ça fait fuir pratiquement les investisseurs. Et c'est pourquoi, pour contourner ces tracasseries-là, nous mettons en place les zones économiques spéciales qui sont des zones franches où il n'y a pas de taxes. Ça permet effectivement que les gens commencent à produire hors tracasserie en attendant que le gouvernement mette en place sa politique de réforme du système fiscal. Parce qu'il est anormal que nous ayons 250 taxes. Il est anormal que nous ayons trois régies, hein, DGDA, DGI, DGRAD. Dans d'autres pays, on a déjà créé une seule autorité de collecte des impôts et taxes. Et la République est en train de migrer effectivement vers la création d'une seule autorité qui doit récolter les impôts et taxes de l'État. Mmh. Donc, à terme, il n'y aura plus de DGDA, il n'y aura plus de DGI, il n'y aura plus de DGRAD. Mmh. C'est anormal qu'on ait ces trois structures qui n'arrivent pas à amener notre budget à passer de 5 milliards à 10 milliards à 15 milliards. Donc, ce sont des réformes qui sont en vue par le gouvernement. Tous les pays qui nous entourent ont déjà créé la seule autorité de collecte des impôts et taxes. Il n'y a que la RDC qui a encore trois régies qui collectent les impôts. Donc, ce sont des réformes du gouvernement qui vont permettre à ce que le secteur industriel puisse bénéficier de ces réformes et croître et permettre que nous passions peut-être de 500 entreprises demain à 2000, à 3000, à 15000, à 100000 entreprises industrielles. Ce qui veut dire ces réformes, tellement qu'ils prennent du temps, ça ne vient pas et ça vous bloque. Non, ça ne nous bloque pas, mais ça nous permet de réfléchir. C'est pourquoi nous avons réfléchi en disant, pour contourner les retards dus à l'avènement des réformes au niveau fiscal, créons les zones économiques spéciales. Et le décret qui a été adopté déroge effectivement aux règles générales d'impôts et taxes qui sont déjà établies. Donc c'est ça la stratégie de contournement que nous avons mise en place pour nous permettre de nous aligner vers la modernité et vers l'émergence. Monsieur le ministre, au mois de février, vous avez fait un tour du côté du port d'Akoula, dans le Boudjala. À l'époque, vous aviez ces projets de zone industrielle. Où nous en sommes? Oui, j'ai effectivement visité le port d'Akoula. C'est dans le sud du Bangui, territoire de Boudjala. C'était dans la perspective, effectivement, de montrer que Kinshasa n'est pas la République. Il n'y a pas que Boudjala que nous avons visité depuis que nous sommes à la tête du ministère. On a été au Congo central. Plusieurs provinces, d'ailleurs. Hein? On a été dans les Tanganyika. Mmh. On a été au Nord Kivu. On s'apprête à aller au Kasaï. Donc, nous avons déjà visité au moins une dizaine de provinces pour aller stimuler le développement au niveau local. Mmh. Quand nous avons été, effectivement, au port d'Akoula, nous avons estimé que ce port
va être le canal d'évacuation des produits qui seront ici de la zone économique spéciale qui sera construite à Gwaka. Pour ceux qui connaissent effectivement l'espace d'ici d'Ubangi, ils comprennent Gwaka, c'est où? C'est à 105 km de Gemena, sur la route qui va vers le port d'Akula. Mm-hmm. Et le port d'Akula se trouve sur la rivière Mongala qui se jette dans le fleuve Congo. Pourquoi nous voulons installer une zone dans cet espace? Parce que nous avons trouvé effectivement qu'il y a beaucoup de potentialités dans les sous d'Ubangi, mais avec des opportunités qui sont la rivière Mongala et le fleuve Congo. Donc la voie d'évacuation sera facile pour amener ces produits vers Kinshasa, vers l'Équateur, vers la province orientale. C'est une province qui est oubliée. D'ailleurs, lors du prochain conseil des ministres, lorsque on va recommencer le conseil des ministres, j'ai déjà élaboré j'ai déjà élaboré un document que je vais faire adopter par le gouvernement pour que désormais la province du Sud-Ubangi puisse être l'un des pôles de développement de ces pays. J'ai recensé beaucoup de potentialités dans cet espace et je voudrais que le gouvernement adopte effectivement ce document-là pour que dans l'espace équateur, le Sud-Ubangi soit le pôle de développement économique sur lequel nous pouvons compter, comme on compte sur le Katanga, comme on compte sur le Nord Kivu, comme on compte sur d'autres espaces. Ça ne vous gêne pas lorsque vous visitez le pays africain, vous allez dans des conférences et autres, dans les zones de libre-échange africain, nous ne sommes pas là? Oui, c'est ce que je vous ai dit au début. J'ai dit, il ne faut pas que nous considérions que nous sommes en retard, mais il faut commencer. Si nous commençons à nous mesurer aux autres, nous allons verser dans la passion, nous allons avoir même des crises. Lorsque vous allez arriver dans un pays où tout est déjà en ordre, vous allez piquer inutilement la crise. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer pour dire, nous ne sommes pas en retard, commençons aussi, un jour, nous deviendrons comme eux. Et s'ils sont arrivés là-bas, ils ont aussi commencé quelque part. C'est la raison pour laquelle nous, au ministère, nous, on a déjà commencé. On commence déjà, on met en place des outils, on met en place des politiques, on met en place des schémas directeurs. Et bientôt, nous allons sortir les schémas directeurs d'industrialisation de la RDC pour spécifier chaque territoire. Si dans tel territoire, nous avons telle potentialité, voici le type d'industrie qu'on peut y installer. On est en train d'élaborer ces schémas directeurs. Dès que nous aurons ces schémas directeurs, on va maintenant les vendre partout à qui veut venir en RDC pour dire, vous voulez aller dans les territoires tels? Voici les potentialités. Ce schéma est en train d'être élaboré. Je crois qu'avant la fin de l'année, on peut déjà les sortir. Schéma directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Et ce que vous êtes en train de faire ne restera pas dans des tiroirs, ne restera pas des vannes, ne restera pas simplement des désirs. Et j'espère bien que ça va aller jusqu'à la matérialisation. Ça va aller jusqu'à la matérialisation avec ou sans Julien Paluku. L'important, c'est de consolider ce que nous avons déjà mis en place, c'est de les poursuivre pour permettre à ce que ceux qui arrivent voient déjà les tuyaux. Vous savez, si l'eau passe, si l'eau de la régie des eaux vous arrive à la maison, c'est parce qu'il y a des tuyaux par lesquels cette eau est canalisée. Mmh. Et donc nous, on est en train de construire ces tuyaux-là pour que ceux qui vont arriver après nous trouvent les moyens faciles de canaliser cette eau-là pour qu'elle atteigne les consommateurs. Mmh. Donc c'est en fait ça, ce que nous construisons comme fondamentaux au niveau du ministère de l'Industrie. Il y a des choses que nous allons réaliser nous-mêmes, quand nous sommes ministres. Il y a des choses qui seront réalisées par ceux qui viendront. Donc on ne peut pas nourrir l'ambition de dire nous allons industrialiser le pays pendant que nous sommes ministres de l'Industrie. Non, si on commence à dire cela, c'est qu'on est en train de mentir à la population. Mais ce que nous faisons, c'est de permettre à ce que demain et après-demain, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui bouge. En fait, l'industrie congolaise devra prendre la première place dans l'économie de ces pays. Donc on parle des mines, on parle de ceci, mais si il y a un accent particulier sur le secteur industriel, vous allez trouver que tout va bouger dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse du textile, qu'il s'agisse des mines, qu'il s'agisse de ceci. Si nous arrivons à avoir comme politique la transformation de nos matières au lieu de les vendre dans leur état brut, si nous avons ces idées-là de transformer nos matières, eh bien ce pays va changer dans 5-10 ans. Monsieur le ministre, ça vous arrive de penser à ces jeunes? Moi, je vais rester sur ce domaine de ces jeunes aujourd'hui, l'industrie informatique, ces jeunes avec les startups, ce sont eux également qui développent également, qui ramènent beaucoup de gens. Mais ça vous arrive de penser à ces jeunes Congolais qui ont de projets d'industrie informatique? Oui, nous avons, d'ailleurs, quand nous avons organisé la première édition de la masterclass, nous avons mobilisé 11 millions de dollars. Hein? Il y a l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui avait annoncé 9 millions. Et les FPI, 2 millions. Encore une fois, comme je vous ai dit,
tous ces mécanismes ont été bloqués par l'avènement de la COVID. Mm-hmm. J'ai reçu dernièrement ces jeunes-là, qui sont dans tous les secteurs, y compris les secteurs informatiques, les startups, pour leur donner l'espoir qu'effectivement nous sommes en communion avec l'ONIDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le Développement, qui est d'ailleurs à mission au Nord Kivu, au moment où je vous parle, après les Katanga, pour permettre effectivement de relancer ces projets-là de financement des start-up, de financement des incubateurs. On en a visité déjà certains incubateurs à travers les pays, mais ces 9 millions vont permettre effectivement de financer ces jeunes. Et là, c'est sans garantie. Et pour nous permettre à ce que nous y arrivions, nous allons faire passer ces fonds, effectivement, par les fonds de promotion de l'industrie, mais avec objectif de financer les jeunes qui n'ont pas de garantie, parce que si on commence à leur demander des garanties, évidemment, on n'en aura pas. Parce qu'il y en a qui commencent aujourd'hui, qui n'ont, comme je l'ai dit, ni maison, oui, ni véhicule à mettre en hypothèque pour devoir accéder au fonds. Ça sera quoi les conditions pour accéder? Ça sera quoi? Ça sera d'abord la viabilité du projet. Il y a des conditions qui seront mises en place. Il y a un service qui est rattaché à mon cabinet qu'on appelle guichet de mise à niveau, qui est en train d'élaborer la note conceptuelle pour nous permettre effectivement de devoir définir les critères objectifs qui permettront d'identifier ces jeunes-là qui n'ont pas de garantie, mais qui ont des projets qui sont porteurs de croissance et qui sont porteurs d'avenir. Donc, ce guichet de mise à niveau qui est dans mon cabinet est en train d'élaborer cette note conceptuelle pour nous permettre effectivement de devoir permettre aux jeunes d'accéder à ces fonds-là. Monsieur le ministre, on va terminer. Je vous demande de vous lever. Ça, on a quand même pris du temps à expliquer. Ce n'est qu'une première émission qu'on a introduite. On aura le temps de beaucoup plus développer. Voilà, ce sera plus sur terrain, voir réellement ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous donner ça avant de partir. C'est la première fois dans cette émission. Vos collègues sont venus, ils ont écrit, ministre fonction publique, économie, chacun a écrit. Vous voulez là-bas ou ici? N'importe où, ça, à vous de choisir, où ça vous plaît, par ici, où ça vous plaît. Vous allez écrire, ça sera notre souvenir dans cette émission, le passage du ministre de l'Industrie, le patron de l'Industrie en République démocratique du Congo, M. Julien Paluku Kaunga. Donc on va voir, on va attendre pour voir qu'est-ce qu'il va nous laisser comme... mot qui restera pour la postérité, voilà. Entre-temps, un grand merci à tous ceux qui ont fait que cette émission se réalise. Allez, on va terminer dans quelques instants. Voilà. Là, vous disiez quoi déjà? Voilà, l'industrie est la clé du développement en République démocratique du Congo. Très belle phrase, une très belle pensée que beaucoup ne comprennent pas. Espérons que, comme vous le disiez tout à l'heure, même après vous, les gens comprendront ça. Mais lorsque vous êtes entré dans ce studio, vous aviez une clé qui vous a permis d'organiser cette émission. Mm-hmm. Voilà l'essence de l'industrie. Si vous voulez développer ce pays, la clé, c'est l'industrie. Voilà l'essence. La COVID-19 vous a beaucoup fait du mal. Hein, la COVID-19, moi, je la prends déjà comme une opportunité. C'est-à-dire, elle montre la faiblesse de nos politiques. Et donc, elle doit nous permettre de mettre en place des politiques agressives. C'est-à-dire, la COVID ne doit pas être considérée comme une menace, mais comme une opportunité qui permettrait aux dirigeants de penser des politiques qui doivent faire face à toute éventualité. C'est comme ça que moi, j'ai pris la COVID depuis un certain temps. Si nous continuons à avoir peur de la COVID, nous allons rester dans l'immobilisme, on ne va rien faire. Ah, monsieur le ministre, on a terminé. Je vais vous donner l'occasion de parler à tous ces jeunes ce matin qui vous ont suivi, qui ont suivi le ministre national de l'Industrie, qui ont des projets, qui réfléchissent, qui aimeraient bien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin? Vous allez le regarder, ils sont là. Qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin? Bon, à tous ces jeunes qui m'ont suivi ce matin, j'ai été jeune, je le suis encore. Dans quelques jours, je vais avoir 100 ans moins 48. On fait le calcul. Je suis encore jeune comme eux. Et je crois qu'ils peuvent considérer que le ministère de l'Industrie est le leur. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous allons organiser bientôt la deuxième édition de la masterclass pour identifier de nouveau les inventeurs et les innovateurs. Si nous ne sommes pas encore arrivés, c'est parce que nous voudrions que la première édition commence déjà à produire ses effets. Mm-hmm. On ne peut pas organiser la deuxième édition sans que les gens voient les résultats de la première édition. Donc à tous ces jeunes qui sont disséminés à travers la République, nous allons organiser la deuxième édition. Et donc, cette deuxième édition va permettre cette fois-ci d'identifier les jeunes dans chaque province et non pas seulement à Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Il faut donc
avoir de l'espoir que votre ministère de l'Industrie est à votre service et bientôt, nous allons mettre en place des zones économiques spéciales à travers la République et ce sera la bonne manière de créer des emplois un peu partout. Monsieur le ministre, merci d'être venu. Merci.